Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Et je vous en souhaite autant. Appelez-moi Poutou National. Appelez-moi AP. Appelez-moi Apoutou National. L'enfant de Ma, de Gbangue Guinée. Appelez-le-moi, venez le déposer devant moi. J'ai trop de questions à lui poser. À 500, je démarre, comme d'hab. Et ça a senti caca aujourd'hui, Adama. Appelez-moi le fils de Bleu Brigitte. Je vais mettre un chapeau de Fandane. Voyez ce soir-là. C'est pas du jeu. On va dire son vrai nom ce soir. Beninetti Djaouka. On va lui dire son vrai nom ce soir. On va lui dire son vrai nom ce soir. À 500, je commence. Hein. Si on n'est pas 500, je ne parle pas. À 500, je commence. Ah, c'est gâté d'ailleurs. Appelez-moi AP, il n'a qu'à venir. Moi, je ne demande pas beaucoup. 500 personnes, je commence mon direct. Petit, on va te dire ton vrai nom ce soir. Papa Nyo. Papa Nyo. Papa Nyo. Il dirait Bouza, Papa Nyemi. Il ne sait pas parler bété, hein. Et il n'y en a créé, il n'y en a goubillé. Dis papa nyo, oh, oh, oh. Papa nyo, oh, oh. Papa nyo, oh, oh, oh. J'ai dit à 500, je démarre. Donc, partagez. Écrivez Apoutou National. Dites-lui que Dosso dit il n'a qu'à venir s'asseoir. Ah ouais. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Il a mis un chapeau Fangafondan. Comme ça, je vais ressembler à Mobutu. C'est Kokukuwenu Wazabanga. Non, non, pas Mobutu. Je vais ressembler à Sékou Touré. Voilà. Appelez-moi Poutou. Hey, les sorciers sont en train de se découvrir. Ils sont en train de se mettre à la lumière. Mais on va vous faire ça bien, propre. Mm-hmm. On va vous faire ça propre, de chez propre. Mm-hmm. Voilà.
Voilà. On peut être beau comme ça. On peut être beau comme ça. Joli garçon sans produit à Poutchouf. Tcha. Adama. On peut être beau comme ça. On peut être stylé comme ça, élégant, propre. Bon. On est 443. À 500, je commence. Je rentre dans le vif du sujet. Partagez, faites monter le mercure. On va dire le vrai nom d'Apoutchou National aujourd'hui. Je vais vous expliquer en détail comment les choses se sont passées pour que Peter 007 se retrouve en Abidjan. Oui. Vous savez, moi j'ai les vrais sons. Ici, un moro de son, un moro de papo. Oh, ma petite soeur, Kaina Meïté, bisous à toi. J'adore cette petite soeur. Ah ouais, Kaina Meïté, c'est une femme digne. Vous savez, Kaina Meïté, on a commencé la révolution ici sur la scène parisienne. Ouais, Kaina Meïté. Au moment où on croyait encore au RHDP, moi, j'ai dit personnellement, moi, je croyais encore aux idéologies du RHDP. C'est avec ma petite soeur Kaina Meïté qu'on a commencé les... tout ce qu'on appelle meeting, tout ça, ici à Paris. C'est une femme qui est très engagée. Kaina Meïté, quand elle est dans quelque chose, elle s'y met à fond. Kaina, salut ma fille pour moi, Barakissa. Ouais, ça c'était l'histoire. L'histoire était un témoignage. Voici des femmes qui ont battu le pavé ici en France, au compte du RHDP. Mais à la fin, ous, ils sont allés prendre les Karatakaba, les Johnny Pacheco. Il y a la voix qui parle. Kaina Meïté, elle ne dormait pas. Même à 3h du matin, tu l'appelles. Elle va prendre son argent pour payer son itch pour venir. Après, elle prend son argent pour payer son itch pour rentrer. Malgré que sa fille est seule dans la chambre couchée. Respect à toi, Kaina. Respect à ma fille Barakissa. Vous avez tout donné. Mais le RHDP n'a pas reconnu. Ils ont préféré aller prendre une vieille pembèche qu'on appelle Karatakaba. Et puis un insulteur public qu'on appelle Johnny Nyenoku pour les mettre au-dessus de nous. Mais c'est la vie. On donne tout à Dieu. Encore merci d'être sur ce live. Partagez parce que là, on va raconter l'histoire. Comment Peter s'est retrouvé en Abidjan. Voilà. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes 560 personnes. C'est déjà bon. Maintenant, je peux commencer mon speech. Mettez le cœur parce qu'il y a des démons qui sont en train de mettre les têtes des morts. Parce qu'ils savent que je vais toucher là où ça fait mal. Oui, oui. Ils savent que je vais toucher là où ça fait mal. Alors, ils ont commencé à mettre les têtes de mort. C'est à vous. Je dis bien à vous de mettre les cœurs. Oui, oui. Abekeru Donfe. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je me porte super bien. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, j'ai fait un post, j'ai demandé dans le post, j'ai dit que Apoutchou National avait livré Peter 007. Et qu'à cet effet, j'avais un direct qui est prévu pour 21h30. Il est 22h, c'est pas grave parce qu'il y avait le match, tout ça. Donc moi, je suivais le match. Heureusement que vous êtes déjà là, ça fait du bien. Et comme vous l'avez vu déjà en titre, j'ai dit ceci. Apoutchou National, tu as reçu combien pour livrer Peter? En fait, c'est ce que mon poste veut dire. C'est-à-dire que le titre qui est sur le live, c'est ce que ça veut dire.
t'as reçu combien pour livrer Peter? Maintenant, où j'allez-vous? J'ai fait comme DJ Publicité de London. DJ Publicité de London, c'est lui qui nous a appris ça. Où j'allez-vous? Où j'allez-vous? Hé, hey, Adama. Voilà, c'est bon. Voilà. Où allez-vous donc faire? Au don, au Noyala. Donc, j'ai dit ceci, demandez à Apuchou pourquoi Peter s'est retrouvé à Abidjan. Lui, Apela, il a reçu combien pour qu'il vende Peter? Parce que toutes les communications que les gens sont en train de faire à gauche et à droite, là, en train d'attaquer le gouvernement du président Alassane Ouattara, en train d'attaquer les ministres, en train d'attaquer les cadres du RHDP. C'est pas ça le vrai fond du débat. Ah oui. C'est pas ça le vrai fond du débat. Recentrons le débat. Chez nous, les Djoulas, il y a un proverbe qui dit: avant de tomber là, ton pied a tapé caillou quelque part. Voilà pourquoi tu es tombé. Donc là, si tu tombes, il ne faut pas t'en prendre au lieu où tu es tombé. Mais il faut revenir pour voir qu'est-ce que tu as heurté pour tomber. Oui. Ton pied là, ça cognait quoi pour que tu tombes? Parce que si tu n'as pas épilepsie, tu n'as rien, tu es en train de marcher, tu n'es pas malade, tu ne peux pas tomber. Mais si tu tombes, tu n'as rien, tu es bien portant, c'est que ton pied a cogné quelque chose avant que tu ne tombes. Oui. Bonsoir à toi, ma soeur Brigitte Kassem. J'espère que tu vas bien. Ton pied a cogné quelque chose avant que tu ne tombes. Partagez cette vidéo. Appelez-moi Apuchou. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Apuchou. Apuchou Pacha. C'est un petit que j'aime bien, mais il est trop malot. Apuchou. Tu as reçu combien pour vendre Peter? Il a commencé. Poutou, tu as reçu combien pour vendre Peter? Si tu n'as pas le courage de dire, moi je vais te dire. Parce que moi je ne suis pas venu en France en 2018. Quand moi je suis venu à l'aventure là, je n'ai pas commencé par la France. Je n'ai pas commencé par la France. Quand j'ai pris mon vol d'Abidjan, je suis descendu à l'aéroport Charles de Gaulle. De Charles de Gaulle, j'ai pris un vol pour Munich, pour l'Allemagne. C'est-à-dire, mon cheminement là, j'ai commencé depuis l'Allemagne. C'est de l'Allemagne que je suis venu ici en Paris, en France.
Pouchou Paja. Je suis un aventurier. Toi, tu as pris ton vol d'Abidjan-Paris. Apoutchou, viens nous dire, tu as reçu combien pour Van Peter? Parce que toi, Poutchou Pacha, tu es prêt à tout pour de l'argent. Tant que ton management est positionné, tant que ton dabali est positionné, tu es prêt à tout pour avoir ton dabali. Pourquoi je dis ça? En termes de business, Fabrice Saouignon ne peut pas prendre attache avec toi pour convaincre Peter de venir en Côte d'Ivoire sans que toi, tu aies ton dabali dessus. Parce que toi, tu nous as toujours dit sur la toile, hein, c'est l'argent qui t'intéresse. C'est-à-dire, tu t'en fous de la sécurité des uns et des autres. Tu t'en bats les steaks. Partout où il y a le jeton, toi, Poutou Pacha, tu es prêt. Tu es prêt pour prendre pour toi. Mesdames, messieurs, je vais vous raconter maintenant le film qui s'est produit afin que Peter se retrouve en Abidjan. Lorsque Emmanuel Keïta, la Queen Mada, je dis bien la Queen Mada, Emmanuel Keïta, fait son entrée en Abidjan, sur le bord de la lagune Ébriée. Écoutez très bien mon analyse, hein. Parce que moi, ma tête là, vous voyez là, c'est séparé en trois. Il y a Boss ici, il y a Boss ici, il y a Calvitie. Comme j'ai porté chapeau ce soir, vous ne verrez pas. C'est la forme de ma tête. C'est comme ce que Touma disait en Guinée là. Il dit, lui, il ne sait pas comment sa tête est. Quand il porte son béret là, ça vient sur ses yeux. Lorsque la Queen Mada, Emmanuela Keïta, la fille de Micheline, arrive en Abidjan, on parle plus des Malouès. Il dit, quand Emmanuel Keïta, la Queen Mada, arrive en Abidjan, sur le bord de la lagune Ébriée, il n'y a plus des Malouès. C'est un constat. Vous n'allez pas me dire le contraire. Quand la fille de Micheline, Emmanuel Keïta, arrive en Abidjan, on ne parle plus de Coach Amon Chik. Quand la Queen arrive en Abidjan, on ne parle plus de Live TV. Surtout qu'elle a eu un emploi en CDI à NCI. La jalousie déclenche.
La jalousie déclenche. Ça déclenche. La jalousie déclenche. Retenez bien les événements. Comme j'ai pour habitude de dire, en histoire, les faits sont têtus. Les faits sont téméraires. C'est ça l'histoire. La jalousie déclenche. Quand NCI donne un CDI à Emmanuel Keïta, c'est gâté. Ah là, on peut être intelligent comme ça. On peut être intelligent comme ça. C'est-à-dire, je suis couché, je regarde les événements, je dis, allez, tiens, ça est là. Le jackpot est là, le jackpot est là. La jalousie déclenche. Fabrice Sawignon. Monsieur Fabrice Sawignon. C'est un monsieur après tout. Il est monsieur comme moi. Ne connaissant pas Emmanuel Keïta à Paris. Ce rabat, je vous explique le film. Hein. Ce rabat sur. Selon lui, sa meilleure animatrice, coach Amon Chic, il lui pose des questions. C'est mon analyse, hein. Ça peut ne pas être vrai. Mais je pense que, avec du recul, vous alliez d'accordiser avec moi. C'est mon analyse. Demande à sa meilleure animatrice, selon lui. Nous sommes en baisse de vue à cause de l'arrivée d'Emmanuel Keïta. Que faire? Elle qui répond, tiens. Comme elle avait une histoire avec Peter, on va tout faire pour la faire venir, pour descendre EK. Comme ça, nos vues là vont grimper ou du moins vont rester intactes. Nous serons beaucoup suivis. C'est le film que je vous explique. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un. Souvent, je me demande, mais si je suis humain, pas dans le sens méchant. Parce que moi, tous les jours que Dieu fait, je rêve. Tous les jours, c'est-à-dire que quand on se couche pour dormir, là, moi, je rêve seulement. 3 jours sur 2, je rêve. 2 jours sur 3, je rêve. Je suis même allé chez des marabouts. Ils m'ont dit... Petit, tu n'es pas simple. Elle, à son tour, qui contacte son petit, Apoutchou. C'est le film que je suis en train de vous expliquer. Hein? Alors, mon petit, c'est comment? Ouais, la vie est à fond. Tu vois un peu, non, ce qui se passe ici depuis l'arrivée de la Pembèche, là, selon eux, hein, elle a damé le pion à tout le monde. Est-ce que tu peux nous faire venir Peter? Lui aussi, bête qu'il ait dit, ok, il y a foi. Mais donnez-moi le montant, il vient en combien? Elle qui lui répond, ok, je demande au boss et puis je te reviens. Elle raccroche. C'est le film, je suis en train de vous expliquer. Après, elle appelle. Elle dit, oui, j'ai parlé au boss. Le boss dit, oui.
Il a 10 000 euros. 7 millions. Tellement je connais petit là. C'est mon petit. C'est pas petit Yakuba. Si je parle fort là, je vais manquer de respect à tous mes autres Yakuba dans le tonpi. Il y a des Yakuba qui sont bons. Ils sont francs. Mais quand vous voyez Apoutou là, c'est un petit qui a faim. Tous les jours, lui, il a faim. C'est-à-dire, partout il y a jeton, il est prêt à vendre son âme. Au Maï, partout il y a jeton, il est prêt à vendre son âme. Pour Daba. Sinon, Yakuba a Kéyan. C'est Yakuba, quand tu vas dans l'ouest du pays, il y a Man. Man, Biankouma, Sanguiné. En tant qu'étranger, Yakuba va te vendre sa terre et puis lui va reculer. Mais lui là, je n'ai jamais vu Yakuba comme petit là. Vous savez pourquoi il aime l'argent? Il n'a pas de fiche de paye. C'est-à-dire, nous on est venus à l'aventure pour travailler, avoir des fiches de paye. Mais lui, il est venu en 2018. Il a travaillé à Leroy Merlin. Depuis qu'il a découvert Facebook, là, il dit il ne travaille plus. Parce que Facebook lui donne l'argent. Mais sérieusement, de vous à moi, pour ceux qui sont ici en France, est-ce que Facebook la donne fiche de paye? C'est-à-dire, quand tu veux renouveler tes documents, là, tu vas prendre fiche de paye de Facebook là pour aller à la préfecture pour renouveler. Puis la préfecture va renouveler, c'est faux. C'est-à-dire, toute sa vie repose sur Facebook. Tout son aventure là, c'est Facebook. Donc, après avoir communiqué avec Coach, quand elle a dit 10 000 euros, il rentre en contact avec Peter. C'est le film que je suis en train de vous expliquer. Hein. Je vis ici, je connais comment ça se passe. Allô mon vieux, c'est comment? Il lui dit, ah mon petit affole. Mon vieux, il y a un truc pour toi là, mais on ne peut pas parler au téléphone, il faut qu'on se voie. Peter qui répond, ok affole, donne-moi le jour, l'heure et puis tout. Et puis je vois, je te fais signe. Donc il cale tout, il se rend compte maintenant. C'est dans la voiture de Peter qu'ils ont parlé. Hein. Ils arrivent, Peter lui dit, appelle lui dit, ok, mon vieux, il n'y a rien. On veut que tu partes à Abidjan parce qu'il y a un thème, le coiffrocha dans le couple. Le boss Fabrice Saouignon veut que tu viennes. Peter qui lui répond, moi, il y a trop gâté, hein. J'ai insulté le président, j'ai insulté tous les gars. Si le boss peut prendre la garantie, là, il y a faute. C'est-à-dire, c'est Peter qui était l'intermédiaire entre lui, pardon, c'est AP qui était l'intermédiaire entre Peter et Fabrice Saouignon. Mais Fabrice Saouignon et Peter ne se sont jamais parlé directement. Parce que c'est un monsieur. Il sait que les cyberactivistes enregistrent. Donc lui, comme il a confiance à AP, il parle à AP et AP fait la commission à Peter. J'ai dit, c'est le vrai film que je suis en train de vous expliquer. Ne cherchez plus ailleurs. Petit là, je le connais. Je le connais. Il mange. C'est un enfant. Tu t'as dit que il mange. Partout où il y a mangement, il est prêt. Que faire à Poutou? Peter lui demande, est-ce qu'il y a toutes les garanties? À Poutou dit, il n'y a rien. J'ai appelé mon boss. Peter lui dit, attends.
Il n'a qu'à voir à l'aéroport s'il y a plainte contre moi. Fabrice va à l'aéroport, il prend le nom de Peter, il n'y a pas de plainte. Il fait le retour à AP. AP lui dit ok, il y a faux, il n'y a pas de plainte. Mais si je vais à Abidjan, là, est-ce qu'ils ne vont pas m'arrêter? Il dit non, 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 ils ne vont pas t'arrêter. C'est-à-dire que Fabrice Aouignon ne parle pas directement à Peter. C'est Peter qui parle à AP et AP transmet à Fabrice. Et Fabrice qui parle à AP, AP transmet à Peter. Donc Peter il est en confiance. Il prend son baluchon. Il prend son baluchon. Il fonce maintenant sur Babi. Effectivement, il arrive à l'aéroport, aucun contrôle. Il passe tranquillement le contrôle. Sa voiture vient le chercher, paf, dans son hôtel. Non, il est en confiance, il dit, il y a folle. Mais est-ce que AP a donné le vrai montant de la transaction du paradis à l'enfer à Peter? A oujou, mina chez toi ni. A poutoué kosango rabili han la mina. Fabrice Aouignon wè kosango rabili han la mina. Je vais faire la sauce d'Apuchuo, Rabi Lihan Lamina. Brigitte Kassem, bonjour à toi, oh, Rabi Lihan Lamina. Kaina Meiteo, oh, bonjour à toi, oh, Rabi Lihan Lamina. La, ilaha ilalaho, Muhammadu Rasulillah. Est-ce que Apuchu National, le ventru potent, celui qui ne pense qu'à son ventre, parce qu'il n'a pas pu travailler ici en France, il ne supporte pas le travail, de se réveiller matin très tôt, aller au travail et descendre tranquillement pour rentrer chez lui le soir. Comme il ne supporte pas. Parce que c'est un paresseux. Alors, il est devenu coxer. Il est devenu coxer en France. Donc, c'est lui qui met Peter dans les problèmes à Abidjan pour son ventre. Pour son ventre. Comme vous le connaissez, si Fabrice a dit 10 000 euros, lui va discuter avec Fabrice. Il dit non, Peter dit il ne va pas si ce n'est pas 15 000 ou 20 000 euros. Vous le connaissez. Il a dit. Il dit, lui, là, c'est l'argent qui l'intéresse. Donc, il ne peut pas rentrer dans quelque chose où il n'y a pas son argent. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui-même. Poutou Pacha, mon bon petit démon de Bangui Guinée. Le seul Yakuba que moi j'ai vu qui aime l'argent, Wari, ce petit-là. Il ne sait pas, il a vu quoi sur l'argent. Mais ce que tu as vu sur l'argent, l'argent va enlever ça dans tes yeux. Tu ne connais pas là. Hein? Tu vois là, mais tu ne connais pas. Mais ce qui m'a le plus sidéré chez lui, pour montrer combien de fois ce petit est malhonnête,
Ce petit est satanique. Ce petit est mauvais. Ce petit est prêt à tout pour de l'argent. Toi, qui étais la croix de transmission entre ton boss Fabrice Sauvignon et Peter 007, ce dernier est arrêté en Abidjan et tu as le courage, le culot, le toupet, l'inconscience de sortir et faire une vidéo en te moquant de Peter 007. Tu as le courage, le toupet, l'inconscience notoire, l'absence de cervelle, l'indignité de placer ta caméra et venir te moquer de Peter. Voilà ce qui me fait mal. Poutou Pacha. Ou bien pour être sur les réseaux sociaux, là, tu allais signer pacte avec le diable. C'est une question que je pose. Hein. Parce que quelqu'un qui n'a pas signé de pacte avec un diable ne peut pas se comporter comme ça. Moi, Vassal aussi, je peux parler mal de Peter. Parce qu'il m'a fait mal. Mais malgré que je parle mal de Peter, j'ai toujours dit qu'il sorte de prison pour qu'on vienne continuer notre combat. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il reste là-bas. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Ayerel, c'est toi qui l'as envoyé. Moi, je suis libre de faire vidéo parce qu'il m'a fait mal. Je crie mon ras-le-bol. Mais en même temps, je ne veux pas qu'il reste en prison. Mais dans cette histoire, Poutou Pacha, l'enfant de Gwangwe Guinée, tout le monde pouvait faire vidéo sauf toi. Ibla Kuro Kassama, Dieu Krono Safne et Lolo, Ikafride, toi, tout le monde pouvait faire vidéo pour se moquer de Peter sauf toi. Mettez les cœurs. Abekero Donfer. Abekero Donfer. Inspiration Ezakitoko Makasi. Abekero Donfer. Amiral peut faire vidéo. Ibra, mon beau, qui m'a soutrait ici en France, qui a permis qu'on ne m'arrache pas ma 4 Pro, parce que Peter m'avait accusé. Ibra a dit, pendant que j'étais RHDP, Ibra a dit, ceux qui m'ont frappé, la douceur n'est pas dedans. Ibra m'a sauvé, sinon j'ai perdu ma 4 Pro. Et c'est vrai, je n'étais pas dedans. Malgré que Peter insistait, Ibra dit non, 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 dos autres n'étaient là. Malgré qu'il était RHDP, il était GPS. Aboudjou. Dis-nous qui es-tu réellement. Parce que Facebook, là, nous, on prend ça comme du jeu. Hein. Moi, perso, la preuve, ma page n'est pas monétisée. Je cherche même pas à monétiser. Je ne vis que de mon salaire, point barre, de mes efforts. Parce que toi, tu ne travailles pas. Est-ce que toi, tu n'es pas allé faire Zamou? Il n'y a pas un Zamou qui t'accompagne dans ton histoire. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un à Abidjan et puis venir te moquer de la personne lorsque la personne est aux arrêts. C'est-à-dire, moi, je peux faire vidéo. Amiral peut faire vidéo. Soule peut faire vidéo. Mais tout le monde sauf toi. Parce que c'est toi qui l'as appelé, c'est toi qui l'as envoyé là-bas. Et tu viens t'asseoir que quand on l'a arrêté, il a lâché, bram, il a lâché. C'est que tu savais ce qui se passait, ce qu'il attendait à Abidjan. Ah oui, jour.
retourner chez toi, ni. Apuchuweko sangu rabili han la mina. Ce que tu savais, c'est qu'il attendait à Abidjan. Voilà pourquoi je te pose la question. Tu as mangé combien? Tu as mangé combien dans le deal pour vendre Peter? Tu as mangé? Si moi je sais que je n'ai rien mangé, j'étais la croix de transmission pour un projet et la personne a arrêté. Mais je dois être consterné. Je n'ai pas venu m'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Je dois être caché. Et c'est toi, tu viens t'asseoir, que quand on l'arrêtait, tellement il tremblait, il a lâché boum, 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 boum. Toi, tu étais là-bas pour sentir l'odeur du pète. Tu étais là-bas. Ça veut dire que tellement tu es content. Tellement tu es content. Tellement ton plan a marché. Tellement ton plan a réussi. Tellement tu as garanti ton jeton. C'est-à-dire, pour de l'argent, tu es prêt à liquider les gens. Pour de l'argent. Méfiez-vous de ce petit-là. On est tous en France ici. Si tu sais que tu as un règlement de compte avec le pouvoir, que ce petit-là t'appelle là, il ne faut pas aller. Sûrement, ils sont passés par lui pour assouvir leur soif, leur besoin. Parce qu'en fait, c'est un repéro. Qui dit Fabrice Sauvignon? Dit le pouvoir en place. Et cela m'amène à douter un peu de tous les efforts que fait Fabrice Sauvignon. Dit-on. Ceci m'amène à douter des efforts que fait M. Fabrice Sauvignon. Dit-on. Pendant que Peter est dans les mains, Fabrice Sauvignon va tranquillement à ses occupations. L'FTV continue de recevoir les invités. La preuve, ils ont reçu Eunice Zunion, ma petite soeur d'amour. Ça continue de marcher. Pendant que l'FTV marche, Apuchu, lui, il est content à Paris. Je ne certifie pas. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne lui a pas donné de l'argent? J'ai dit bien, je ne certifie pas. Qu'est-ce qui prouve que Apuchu Pacha n'a pas reçu de l'argent simplement pour envoyer Peter à Abidjan? Qu'est-ce qui prouve? Je ne dis pas qu'il a reçu de l'argent. Mais quand je regarde le film là, de la manière ce petit-là aime l'argent, quand je regarde le film là, je n'ai pas en venir à cette conclusion. Tout ça pour aller salir Emmanuel Keïta, Eka. Apuchu l'a dit. Il dit, lui, ces personnes sur Facebook là, il y a Emma Louès, il y a Coach Amonchik, ce sont ces personnes, le reste à lui s'en fout. Pourtant, Eka arrivé à Abidjan là, on ne parlait plus de tous ceux là. Alors, il fallait mettre une stratégie en place pour la casser. Remarquez bien. Depuis que Eka est arrivé à Abidjan, c'est mort. Vous entendez parler encore d'Emma Louès? Emma Louès, vous entendez parler d'elle depuis Eka à Abidjan. On ne parle plus d'Emma Louès. On ne parle plus d'Amonchik. Elle-même, elle était à Paris ici. C'est après l'arrivée d'Eka qu'ils l'ont fait partir à Abidjan. Pour reprendre ses émissions. Parce qu'Allo Kavia, c'est une tête prévue que pour les vacances. On n'est pas en vacances. Mais pourquoi subitement, elle se retrouve encore en Abidjan en train d'animer Allo Kavia? C'était pour un but bien précis. C'est mon analyse. La tête là, elle est faite pour penser, pour réfléchir. Apuchu, pardon, viens nous dire, tu as mangé combien pour vendre Peter? Tu as mangé combien pour le vendre?
Parce que ce que tu as fait là, on appelle ça la traite négrière. Tu t'as dit que tu as vendu le gars pour tes intérêts. Maintenant, quand on l'a arrêté, tu sors pour faire vidéo. Pour dire, quand ils l'ont pris même là, ils lâchaient poum, 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 poum. Hé, hey, tu es encore très jeune, petit. Faut te ressaisir. Tu es encore très jeune. Maman Bleu Brigitte, parle un peu à ton fils. Faut lui parler. Il est encore très jeune. La vie est encore longue. Tant qu'on vit là, la vie est encore longue. Sinon, Peter, que moi je connais, si ce n'était pas proposition, Peter n'allait jamais partir à Abidjan. Mais c'est parce qu'il a été rassuré par Fabrice Saounion via Apoutchou National. Parce que Fabrice n'a jamais causé avec Peter parce qu'il avait peur de se faire enregistrer. Donc, c'est avec AP il parlait et AP faisait le compte-rendu à Peter. Peter parlait à AP, AP faisait le compte-rendu à Saounion. Tout ça pour aller dénigrer Eka. Parce que depuis l'arrivée d'Eka, Eka leur a tamé le pion. Ah ouais. Partagez la vidéo, donnez-moi juste 30 secondes. Partagez la vidéo. Ah, partagez. Abuchou, Fabrice Saounion t'aime tellement que toi qui as commencé à parler de lui sur les réseaux sociaux, pourtant tu vis une situation difficile en France parce que tu ne travailles pas. Tu as pris Facebook comme travail. Mais pourquoi Fabrice Saounion t'a laissé pour aller prendre coach à Monchique, pour aller animer émission qui paye à près de 1 500 000, voire 2 millions par mois. C'est une question que je te pose. Hein. C'est-à-dire, c'est toi qui as lancé Fabrice Saounion. C'est grâce à toi qu'on a pris le nom de Fabrice Saounion sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as été le premier à dire le nom de Fabrice Saounion. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos de Coach Amunchique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'avant qu'elle ne parte à la télévision de Fabrice, elle n'a jamais prononcé son nom un jour. Mais toi qui l'as révélé aux yeux du public sur Facebook, sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller prendre Coach Amunchique, aller lui donner 2 millions par mois, près de 2 millions par mois de nos francs CFA, pourquoi? Toi, il t'a pas pris. Ou bien toi, tu n'as pas besoin d'argent. Tu vois comment tu es. C'est-à-dire, toi qui l'as révélé aux yeux du public. Toi, tu es devenu un repéro. Pendant ce temps, Amon est en train de manger avec les deux mains. Avec les deux pieds. Pourtant, c'est toi qui l'as révélé. Je dis rien. Mais ma vidéo là,
Il faut prendre, tu vas te coucher, tu vas bien écouter. Tu vas bien écouter. Si quelqu'un devait se retrouver aujourd'hui à la télévision en train d'animer, là, c'était toi, c'était pas mon chic. C'est-à-dire que Fabrice même ne te calcule pas. Ben, c'est toi qui as forcé dans Fabrice. Fabrice n'a pas forcé dans toi. Mais par contre, c'est Fabrice qui a appelé à mon chic. C'est-à-dire que c'est Fabrice qui a forcé dans mon chic. À mon chic n'a pas forcé dans Fabrice. Tu as vu comment tu es? C'est-à-dire, tu demandes à Peter d'aller à Abidjan sous l'autorité de Fabrice que tout était garanti. Peter s'en va. Il a problème. Et c'est toi le même qui viens t'asseoir pour venir te moquer de Peter. Petit, tu as un sérieux problème. Tu cherches l'argent, non? Mais si tu ne fais pas attention, c'est l'argent qui va te consumer. Parce que je dis, tout le monde a vu dans ton film. Hein? Tout le monde a vu. On sait quel genre d'homme tu es. Pour de l'argent, tu es prêt à tout. Rien que pour de l'argent. Tout le monde pouvait parler dans cette histoire de Peter, sauf toi. Parce que ta conscience même devait te gronder. Il y a un travail qui devait se faire au niveau de ta conscience. Mais tellement tu as vide d'argent. Tu as vide d'argent. Tu finis de commettre le sale crime. Et tu as l'audace de venir t'asseoir pour dénigrer cette personne. Si Peter savait, le jour où tu es parti le rencontrer dans sa voiture, vous avez parlé, s'il savait que ça allait se terminer ainsi là, il n'allait jamais aller à Abidjan. Mais il t'a fait confiance. Pour ça seulement là, tu dois le protéger. Tu dois le protéger. Mesdames, messieurs, voici le sens de mon direct de ce soir. C'est juste une analyse. Vous pouvez d'accorder avec moi comme vous pouvez ne pas d'accorder avec moi. C'est-à-dire, quand moi j'ai regardé là, le film là, voilà ce que j'ai trouvé. Parce que je sais que Fabrice Savignon ne va jamais prendre son téléphone pour appeler Peter directement. Jamais. Parce que les autorités ont peur des cyberactivistes. Ils ont peur de se faire enregistrer. Logiquement, la courroie de transmission, c'était AP. C'est AP qui a géré tout. Mais en gérant là, il a pris son dabali dessus. Au calme. C'est pas bien grave. Mais quand cette personne est dans les difficultés, tu n'as pas besoin de venir t'asseoir pour dénigrer encore cette personne. Voilà pourquoi il dit que tu es un sorcier. Tu as fait Zamou. Tu es rentré où? Tu es rentré dans sorcellerie à cause de Facebook. À cause de Facebook. Ibrahim Soubraï. Tu es devenu sorcier à cause de Facebook. Si j'ai un conseil à te donner pour ne pas devenir sorcier, fais comme nous. Fais comme ma petite soeur Kaina Meite. Fais comme Brigitte Kassem. Va travailler à la sueur de ton front où on te paye chaque fin de mois. Comme ça, tu seras dépendant de Facebook. Tant que tu ne travailles pas en France, tu seras toujours prêt à faire le sale job pour avoir ton argent. Et ça, après, ça va te rattraper. C'est un conseil de grand frère que je te donne. Si tu prends Salam, si tu ne prends pas, si c'est toi qui vois. Mais je ne t'appelle Maman Bleue Brigitte. On est en France ici pour travailler. Demande à ton fils d'aller travailler. Il peut faire Facebook, mais aussi il peut travailler. Moi, je travaille, je fais Facebook. Moi, je travaille, je fais Facebook. Mais demande-lui d'aller travailler. Sinon, un jour, là, je touche du bois, il peut se retrouver dans un sale pétrin. Maman Bleue Brigitte, c'est à toi, je m'adresse. Donne-lui des conseils. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un à Abidjan et puis venir dénigrer la personne. Venir dire que la personne a pété, poum, 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 poum. C'est grave. Mesdames, messieurs, c'était l'objet de ma conférence de ce soir. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à Kaina Meite. Merci à Brigitte Kassem. Merci à tous ceux qui étaient présents. J'espère qu'on se reverra encore pour d'autres lives. Si ce, assalamu alaikum. Allez, à bientôt.